Vous, les blancs, vous mangez tous de la même façon. De quel blanc parles-tu, Joseph? Et de vous, monsieur. Vous savez, j'ai eu un patron européen qui, comme ça... Joseph, c'est... ta place est à la cuisine. Je te l'ai déjà dit. Mais madame, je suis venu ici pour desservir. Attends qu'on t'appelle. Calme-toi, Angèle. Il n'a pas la réflexion à te faire. Il n'est pas payé pour ça. Joseph, je suis donc un blanc pour toi. Bien sûr, monsieur. Nous avons pourtant la même couleur de peau, toi et moi. Et j'ai épousé une fille de ma tribu, africaine, comme toi et moi. C'est vrai ça, monsieur. Mais vous avez été en Europe. Vous êtes revenu et vous avez épousé une fille de votre tribu. Ça, c'est bien. Mais depuis que vous êtes là, vous ne lui apprenez que les manières des blancs. Moi-même, votre boy. Je ne vous fais la cuisine que comme les Européens. Salade à midi, salade le soir, Joseph, salade. Vraiment, il n'y a seulement que la couleur de votre peau qui ne soit pas la même que celle de vos frères les blancs. Mais Joseph, mon frère, c'est toi. J'ai été en Europe, j'ai peut-être appris quelques-unes des habitudes des blancs, mais cela ne veut nullement dire que je suis devenu un des leurs. Pourquoi tu discutes avec lui? Il n'a pas à te faire des remarques. Angèle, tais-toi. Tu ne peux pas savoir de quoi Joseph parle. Laisse-nous discuter, tu veux? Bien. Je vais me coucher. Écoute, Joseph. Joseph. Sache qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi. De différence de race, j'entends. Toi, tu es cuisinier, moi, je suis diplomate. À part ça, nous sommes égaux de race et de couleur. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie jamais. C'est ça, monsieur. C'est ça. On est égaux. Commence à avoir de beaux cheveux, tu sais.